Mais si tu vas parler, tu vas parler. Si tu vas parler, et la libérer. L'enfant est dans le ventre. Non, mais c'est pas un enfant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce c'est monde? C'est un bon enfant! Libère son enfant. Fais chez toi. Allez, libère le ventre. Allez, libère! La puissance de Dieu. Il faut savoir aussi rentrer dans la nouvelle année. Ça, c'est beaucoup très important. C'est la manière dont tu rentres dans la nouvelle année qui permet à Dieu de te bénir. Amen. Parce que la porte d'entrée, c'est le 31. Ne négligez jamais les portes d'entrée. Il dit, porte, ouvre-toi et lève tes lecteaux. Vous comprenez? Vous pouvez voir les portes physiques, mais ce qui caractérise même ce monde, c'est le spirituel. Vous pouvez avoir un business dans une ville et les portes spirituelles de la ville est fermé. Et c'est ça que ne négligez pas tout ce qui est porte d'entrée. Amen. Et c'est ça que vous regardez Paris, vous comprenez, n'est-ce pas, la présence de beaucoup de choses. Ce n'est pas le fait des hasards. Il y en a plusieurs portes à Paris. Pas de moi, pas de moi, des portes d'entrée. Vous voyez? Et vous avez l'impression que Paris est comme une ville. N'est-ce pas? Paris cadré. Voilà, Paris cadré. Il y a des portes. Vous comprenez? C'est à partir des portes qu'on accède à Paris. Vous comprenez? Et si vous voulez accéder à Paris, c'est vrai que vous voyez Paris. Physiquement parlant, vous voyez Paris. Mais il y a le spirituel de Paris. Vous comprenez? Il y a le spirituel de Paris. Et on arrive à Paris. Parce que Paris veut dire parier. Ce que vous ne savez pas, il faut parier parce que c'est la loterie. Vous pensez que c'est un fait de hasard comme dans le nom de truc? Non! Les noms ne tombent pas comme ça, on ne se lève pas le matin pour donner les noms. Non. Paris, ça dit qu'il faut parier. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens en train de jouer au loto ici. Gratte. Et Dieu nous aide, amen. C'est pour ça que Paris, frère, c'est à Paris. Ici, tu peux venir, et puis retomber, ici. Vous allez voir que les gens commencent bien, moment, ce n'est pas étonnant, parce que c'est comme ça ici. C'est cet esprit-là qui règne ici Paris. Amen. Alors, cherchez à savoir souvent le nom. Les noms qu'on donne ont souvent forcément un impact. Ou que les noms que les gens donnent, forcément, c'est par rapport à quelque chose. Alors, si vous ne possédez pas Paris, spirituellement parlant, si vous ne possédez pas Paris, c'est Paris qui va vous posséder. Mais c'est la réalité. Est-ce qu'on va bien saisir? C'est pour ça que d'autres personnes peuvent venir, ils ont tous les problèmes, et d'autres personnes viennent. Les choses se règlent. Amen. Pourquoi? Parce que ça dépend de la sémence. Et ça dépend de comment tu possèdes. Le début d'une chose est vraiment important. Est-ce qu'on sait un peu ce que je dis? De comment tu rentres dans la vie, dans le temps. Et c'est beaucoup très important. On dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça va? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, et qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le commencement, qu'est-ce qu'il a utilisé? Hein? Et le verbe. Il va utiliser le verbe. Il va s'adresser. Que la lumière hein? Soit et la lumière. Très bien. Or, la Bible nous dit la parole est une. Non. On est d'après ça? On est d'après ça? Alors, nous prenons Luc, Marc 4, verset 14. Prenez Marc 4, verset 14. Pour vous enseigner des petites choses. Petites choses. Quand vous rentrez dans les villages, n'est-ce pas, vous partez dans une région, on dit le chef de terre doit accueillir avec une bassin. Vous voyez, c'est ce que vous voyez, ça. Ce sont ceux qui ont la clé. C'est les clés. Tu es président de la République. Comment ce que tu es qu'on dit? On dit lui, il est le propriétaire.
Il est le propriétaire terrien. Or, la terre que vous voyez a des oreilles. D'accord? C'est ce que la Bible dit. Avant qu'un homme ne rentre dans une maison, il faut que l'esprit soit d'abord lié. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on a saisi un peu? Amen. Souvent, ce n'est pas une question de sorcellerie. Non. C'est que les entités, l'esprit de la vie ne te reconnaît pas. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. 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 Quand vous voyez le pape, moi je suis évangélique à la base, je suis évangélique. Mais quand vous voyez le pape descendre de l'avion, il donne un baiser à la terre. Vous pensez que c'est un bisou dans le bébé? Vous voyez ça en bisou? Il possède la terre. Amen. Ah oui. Et tout ce que tu lis sur cette terre, c'est lié dans le spirituel. Tu as lié quel esprit? Tu as une fois lié l'esprit du chômage, tu as une fois lié des trucs. Où pensez-vous rentrer dans un monde comme ça? Là, on ne vit pas comme ça. Le hasard n'existe pas. C'est ça ton problème. C'est ça que les gens ne sont pas dans le Seigneur, malheureusement, ils sont dans le cultisme pour apprendre les mystères. Or, nous avons tout ça dans la vie. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui enseigne ça. Nous, en tant que prophètes, nous enseignons les mystères. Amen. Amen. Quand Jésus crache, il prend la terre. Il a Jésus de la terre. Parce que c'est la terre que j'en prie pour faire. Donc, c'est la terre de l'échange qui positionne. Et la salive, c'est la parole. Ça dit que le Verbe réunit avec la création, il crée. Donc, il y a des choses que je veux connaître pour prendre le devant du tout. Ça va? Amen. 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 Parce que qui que ce soit ton collègue, que ce soit ton patron, c'est pas quel esprit qu'il a eu. Chacun prie. Si toi tu ne maîtrises pas les choses, lui s'il maîtrise, il dégage ce qu'il est. Parce que le nom de Jésus ne suffit pas. C'est pour ça que la Bible dit, parfois de connaissance, mon peuple. Mais justement, le peuple prie parfois de connaissance. Les sorciers arrivent à vous avoir sur un terrain à partir de l'ignorance. Où vous devez prier, vous êtes dehors. Hein? Ça va? Amen. C'est quand on a des problèmes pour après Jésus. Or, eux, ils maîtrisent le temps. Amen. Chaque 3 heures du temps, il y a un système de temps. Des portes. Chaque 3 heures, il y a un système de temps. Chaque 3 heures, il y a un système de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer ça. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, à partir de 3h du matin, par exemple, je prends l'exemple de 3h du matin. À partir de 3h du matin, 3h, à partir de 3h30 déjà, car les portes, c'est là les portes de la journée commencent à s'ouvrir. Vous avez dit, comment? Non, mais c'est les portes qui s'ouvrent. Et c'est là que l'ange, un ange, chaque enfant de Dieu est un ange. Ça va? Amen. 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 Lorsque Pierre était en prison, ils ont intercédé. Le Seigneur a délivré Pierre. Au moment où Pierre venait rencontrer l'église dans la maison, c'est vrai, c'est la voix de Pierre, mais on a, peut-être que c'est son âme. Parce que l'ange, ton âme, il te ressemble. Ça va? Amen. Il y a tellement de choses à vous expliquer pour que vous compreniez. Ton âme te ressemble. Ce serait quand quelqu'un t'attaque, il te voit dans son rêve. Quand quelqu'un commence à t'attaquer, il te voit dans son rêve. C'est ton ange qui se présente à lui en son rêve. Est-ce que vous m'avez saisi? C'est publiquement prouvé. La Bible. Pierre était en prison, ils sont miraculeusement. Lui-même, il n'est pas pensé que c'était un rêve. Alors, il frappe à la porte. Personne ne croyait qu'il allait sortir. Parce que c'était dans la prison dans laquelle on avait introduit Pierre. Si ce n'est pas un miracle. Or, la prière produit le miracle. La prière, c'est de t'empêcher de prier. C'est tout. Et à des heures, stratégiques de prière. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. C'est ça que l'Église doit enseigner le plus pas. Les musulmans sont très organisés. C'est les pas matin dans le monde. C'est à partir de 4h du 3h30, le musulman. Ce sont les portes qu'on
commence à souffrir. Les portes de la journée commencent à souffrir. Chaque enfant de Dieu est un ange. Et c'est l'ange-là qui porte ta prière. Ça va? Tu vas vous prier, vous avez l'impression qu'il y a une présence. C'est l'ange. Quand vous avez pu, vous avez le feu. Ce qui s'est passé, vous avez, c'est une présence d'un esprit de Dieu. Voilà. Quand vous rentrez dans une maison négative, vous avez ça, la chaîne. La chaîne est pour ça. Ça synonyme d'une présence négative. Pour ceux qui n'ont pas le discernement, synonyme d'une présence négative. Moi, je sais comment je ressens les esprits. Voilà. Moi, j'ai vu Seigneur, non, ça fait peur. Oui. Parce que je voulais voir, je priais pour ça. Vous savez, la Bible dit aspirez au vent. Quand vous aspirez au vent, Dieu vous dit viens. Et quand il a commencé à voir des esprits, il y a des esprits qui freinent les gens, qui peuvent te rendre cinglé. Ah oui. C'est pour ça que quand les gens pètent un plomb, ils risent dans la rue, la parole. Il y a des esprits, quand vous voyez, c'est comme à partir du 1er novembre, il y a des esprits qui sortent dans le data. Ils ont couru le coucou de vie, durée de vie de 2 mois et demi. Ils ne vont que le 15 janvier. C'est pour ça que la nuit, là, c'est le 1er janvier, décembre. En fait, fait des morts. Donc, l'esprit, là, eux, ils rentrent sur terre. On a l'impression d'aller poser des fleurs. Donc, on célèbre la présence de ces esprits sur terre. Et ils nous disent, parce que quand ils viennent, ils ne boivent que du sang humain. Ce sont des choses frayées que dans ces temps-ci, vous allez voir dans les tuiles, les carrefours. Remarquez dans les carrefours, dans les circulations. C'est plus des accidents. Parce que ces esprits-là sont pour satanique et démoniaque. Ça va? Ah oui, moi, c'est mon rôle de vous éclairer sur certaines choses. Je suis dans le domaine des esprits. Tu vis avec quelqu'un, tu ne sais pas quel esprit qu'il a mis. Amen. Chacun prie. C'est ça qu'on dit quelqu'un des orchestres, toi, tu ne connais pas. Il ne faut pas prendre la défense des orchestres. Ah, chacun sait ce qu'il a la vie. Toi, tu vas dormir, tu dors, tu es. Oh, l'autre, tu sors, il va manger son grain. Avec un foutu, un gros morceau comme ça, de cheville, ou même des cuisses de jumeaux. Je bosse sur le plat. Amen. 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 Toi, tu te réveilles, tu es fatigué, tu es où? Mon frère, la nuit est faite pour dormir. Toi, tu te réveilles. Et tu es fatigué. Il faut qu'on t'interroge. Il faut qu'on te pose la question. Tu as prié? Non. J'ai dormi, mais je suis fatigué. Mon cher, tu vas confesser. Où tu as mis la vie pour travailler? Viens confesser. Pour vous dire, le monde n'est pas fait par hasard. Le Seigneur règle les choses. Il commence, au commencement, Dieu crée les cieux. Vous dites, le monde spirituel, le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa les cieux. C'est-à-dire, si vous ne possédez pas, si vous ne réglez pas les choses spirituelles, vous attendez à vous. La catastrophe. Amen. Amen. Si vous ne réglez les choses sur le plan spirituel, c'est la catastrophe. Vous aurez que les yeux vous pleurent. Ça va? Amen. Vous savez que les yeux vous pleurez. Or, dans ce monde, il faut être plus spirituel que jamais. On a l'impression que les gens, leur raisonnement, leur connaissance qu'ils ont de la. C'est pas ça, c'est le spirituel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, donc, quand Dieu crée le ciel et la terre, il étudie le Verbe. Or, il nous demande d'imiter le Créateur. La création se soumet au Verbe. Parce que la parole est une puissance créatrice. Vous m'avez compris? Amen. La parole est créée. Ça va? Amen. La parole est une puissance créatrice. C'est pour ça que Dieu, l'être humain, est le représentant de Dieu sur terre. Ça va? Parce que vous créez l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que tu dois créer ton quotidien. Dis amen. Amen. Tu dois créer ton quotidien, posséder ton quotidien. Amen. Amen. Or, le temps et l'espace sont contrôlés par des esprits. C'est pour ça que quand tu es là, 3h30 du matin,
La seule chose que tu dois faire en tant que chrétien, c'est de régler les pans de la journée. Et ce qu'on appelle le mort. Ça va? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. C'est ce qu'on appelle le mort. Si vous ne décidez pas la pente de la journée, vous avez des problèmes. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, le diable organise des choses contre toi. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Le plan du diable, c'est ta destruction. Or, les forces du mal, eux ne travaillent que la nuit. Or, sans la nuit, le jour n'a pas de sens. On dit séparer les ténèbres d'avec la lumière. On a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Fut le premier jour. Or, c'est dans la nuit. C'est la nuit qui fait le jour. Si tu n'as pas pu traiter les esprits dans la nuit, je te donne une raison. Eux, ils décident ton sort la nuit. Ils disent à 4h, à 9h, 10h du matin, telle personne. C'est comme une bombe. Vous voyez, c'est précis. Ça a des heures à laquelle ça doit s'exploser. Donc tout ce qui est le fruit des nazars, c'est trop grand. Pas trop grand. Amen. Amen. Ça va, je suis en train de vous aider. Parce que vous ne jouez pas la vie, non. Parce que tu peux payer la vie une fraction de seconde. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Dieu l'a dit, la vie n'est pas un jeu. Amen. Quand quelqu'un n'est pas spirituel, il est aveugle. Spirituellement parlant. Ça va? C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance spirituelle. Et ne rien négliger. Moi, je ne dis rien. Tout est un message. Mais je suis plus souvent le recevoir le message. Amen. Si vous écoutez très bien les gens, vous allez percevoir leur message par rapport à vous. C'est parce que vous pensez que les gens sont comme vous. Donc, vous ne percevez pas leur message. Si vous les écoutez très bien, c'est pour ça que quand quelqu'un te fréquente, ou quand tu fréquentes une personne, il faut bien l'écouter. Tu vas savoir sa position vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a un ennemi rapproché et un ennemi déclaré. L'ennemi rapproché est plus dangereux. Sauve-moi, je t'aime. Oh, oh. Celui qui va te sauver, tu s'arraches. C'est Jésus qui a joué Judas. Il n'a pas vendu. Hein? Ceux qui peuvent sont ceux qui vous maîtrisent. Ça a été comme ça. Ce n'est pas fait d'église. Ça va? Ce n'est pas question d'église. Même dans la politique. Si on fait le coup d'État, regardez. Ce n'est pas moi dans ma bouche, vous allez entendre ça, vous connaissez. Vous connaissez en face de cette personne, vous connaissez. Vous savez. Ce n'est pas dans ma bouche. Vous savez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez très bien ça. Peut dire. Alors, oui, l'homme est capable de ça. Il faut enseigner de ça pour dire Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme, là, si vous ne savez pas, à un moment donné de la création, Dieu dit non, il a regretté. Mais pourquoi il a créé l'homme? Ça vous choque pas? Moi, je suis choqué. Si Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme est l'ennemi de l'homme. Donc, celui qui tu vois à côté, il faut faire attention. Il peut être la base de ton malheur. C'est vrai, l'amour d'aimer le prochain, ça n'exclut pas la prudence. Jésus m'a dit, soyez plus d'encore des serpents. Donc vous ne savez pas pourquoi le diable travaille avec vous. Ceux qui vous détruisent, ils sont juste. Or, si un esprit négatif
ce que tu es. Frère, chacun naît avec une étoile. Dis à quelqu'un, chacun naît avec une étoile. Chacun naît avec une étoile. Oui, donc on n'est pas par hasard. Non, on n'est pas du biologien scandale. On vient pas sur la terre comme ça. Non! Jésus met en moi son étoile. C'est déjà une révélation. Regardons que Jésus met en moi son étoile depuis l'Orient. Et les mâles de Rome sont rentrés à Jérusalem. Malheureusement, ils sont allés toucher l'ennemi. Qu'il ne fallait pas. Souvent, les gens, tellement qu'ils vous aiment, tellement qu'ils veulent s'approcher de vous, ils rentrent en contact avec un ennemi. Lequel est capable de bloquer ta vie ici. Amen. Amen. Pour ça, faites attention. Dans votre cimetière, vos rayons, faites attention à ça. Vous avez souillé tout le monde. Un moment donné, les gens qui nous avaient un stage, personne ne rentre chez eux. C'est pas la méchanceté, hein. Mais ils préservent leur vie. Parce qu'ils ont détruit et le construit. Ça va? Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Quand quelqu'un veut te nuire, il cherche à te maîtriser d'abord. Ça va aller voir maîtriser ça. Ça, c'est un petit problème. D'abord, la parole de Dieu d'abord. Amen. Elle doit l'avoir balancé, puis les miracles vont suivre après. Amen. C'est le principe d'abord. C'est la parole de Dieu qui commence. Il faut qu'on vous ouvre l'esprit. Nous sommes allés donner temps. C'est là que je vous dis à les gens, Choubouya là, c'est barbecue, vous êtes ici. Chez nous, c'est Choubouya, parce qu'on met un petit piment là-dessus, à côté, puis on mange rapidement. Mais quand tu manges Choubouya, tout à l'heure, en 15 minutes, tu peux finir pour toi avec faim. Vous connaissez les bonnes Choubouya là, vous savez. Heureusement qu'il mange plus bien. Après les sorciers, il y a des gens qui n'ont pas été. Ta maille quoi, il est transformé en Daniel, moi-même là c'est bon, poisson c'est tout. Moi j'ai un poisson. Parce qu'il va être trop viande, il va manger vraie viande un jour. Vraie poisson de viande, tu vas manger. Quelqu'un trop viande, moi je commence à me scanner, je l'ai dit, peut-être qu'il va, non, moi j'ai un viande. C'est la seule nourriture que je suis faite. Je commence à te regarder très bien. Elle est vieille, elle aime viande, elle n'aime pas poisson, elle pleure que ça. Viens, on va t'escaler. On va te faire passer au scalaire. Amen. Amen. Je suis là pour moi, je suis comme un guide. Donc les gens, quand ils traitent, quand ils ont vu Jésus, l'étoile de Jésus, souvent ils voient héros. Ils disent quoi? Donc il y a des gens qui ne savent pas. Mais parce que eux, ils ont la capacité, ils ont aussi un sixième sens. Donc ils ont cette capacité de savoir dans ton devenir. Ils savent, il y a des gens qui savent. Hein. Ceux qui sont venus, ce n'étaient pas les prophètes, hein. C'était le roi mage. Non, mais ils savaient. Là, ils sont seulement venus révéler. Il y a des gens quand on leur révèle ton mariage, c'est fini, tu as un problème avec eux. On dit à ce qu'on appelle la puissance de la discrétion. Les gens leur bouche. Le passé, eux, ils n'ont jamais réussi dans leur vie. Si vous n'êtes pas discret, vous n'allez jamais avancer. La discrétion, c'est la puissance. Ça te permet de te protéger. Tu vas voyager. C'est pour toi, il y a toi. Le cadeau vient de savoir. Ils sont mariés. Ah, ils voyagent demain. Hein? À Paris. Ok. Tu n'as pas encore dit ça. Tout le quartier au courant. Tout le monde sait que tu es en France. Jusqu'à même tu chantes, tu commences à chanter. Frère, tu n'as pas encore vu la réponse de l'histoire de Mani. Ta démarche a changé. Moi, je m'en fous dans un mot. Ok. Tu connais Dibé. Tu sais où il rentre. C'est rentré dans l'oreille de Dibé. La nuit, ton pari, là, il fait ça. Quand on regarde maintenant lui, il a tous les papiers, mais de toute façon, j'ai rien sa photo là. On ne va pas aller à Paris.
Et puis tu perds l'usage. À cause de ta bouche. Le seul problème qui a mené Joseph à avoir des problèmes, c'est sa bouche. Tu fais un rêve. Tu regardes ça en toi. Et Dieu, toi tu viens expliquer ça à tes frères. Hein? Thank you.
Plongez-vous dans la parole de Dieu. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Jésus vient, il est attaqué. Le diable vient, il attaque Jésus. Ah bon? Il est écrit aussi. Il dit aussi à Satan, il est écrit. Satan, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Si vous voulez vaincre le diable, c'est le verbe. Malheureusement, les gens n'ont aucune mission. Tu leur demandes tout de suite, où est le livre des gens? On est loin de chez dans ces péchés. C'est Jean qui est là. Et Jérémie, ils sont dans le Nouveau Testament. Or, pour posséder ce monde, il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut la maîtriser. Il faut la connaître. Dis amen. Amen. Ça va? Amen. Pour posséder la journée. Ça veut dire que eux, le diable, pendant que tu te réveilles, la nuit est une sémence. La sémence, c'est quoi? C'est que toi, au bout de la journée, ceux qui sont contre toi, ils vont vouloir s'aimer quelque chose. Non, c'est que tu apprends au cours de la journée. C'est pas un fait d'hasard. Non, ça a été déjà programmé. La vie, c'est une question de programmation et de programmation. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. C'est une question de programmation et de programmation. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que vous déliez sera délié et tout ce que vous liez sera lié. C'est pas une question du prophète, c'est la Bible qui dit. Ça va? Amen. Est-ce que ça va bien? Amen. Ça va? Amen. Le problème, c'est que on ne fait pas un effort pour maîtriser les choses spirituelles. Donc, si quelqu'un se réveille matin et qu'il ne prie pas, par exemple, il s'attend à quoi? Une mauvaise journée. Une bonne journée, c'est pas certain, c'est pas ce qu'on dit bonne journée, non. Une bonne journée dépend de la programmation ou la reprogrammation que tu vas faire. Donc quand vous vous réveillez matin, vous devez d'abord déprogrammer tout ce que le diable a programmé contre vous. Ça va? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Tout ce que le diable a programmé contre vous. Parce que lui, c'est un programmateur. Négatif. Le diable est content quand tu vois en train de pleurer. Dans le malheur, lui, il est content. Ne dis pas que le Seigneur me protège. Dieu dit prier sans cesse. Dis amen. Amen. Oui, oui. Ne dis pas que le Seigneur me protège. Non, Dieu dit prier sans cesse. Il t'a donné la clé pour être heureux. Donne-moi le proverbe, mon frère. Allez, prie-moi d'abord, ma famille. C'est pas pour toi, je prie d'abord. Mais après, je vais peut-être prier pour toi. Mais chacun se cherche ma tête. J'ai d'abord prié pour moi et ma petite famille. Et après ça, comme je suis leader, je me souviens des enfants. Malheureusement, si tu n'es pas rentré dans mon esprit, j'ai un problème. Donc, il ne faut pas compter si quelqu'un. La prière individuelle, c'est comme le salut. Donc, quand vous arrivez, priez. C'est quelle histoire de Dieu? Ça peut chasser un démon. L'esprit de guérir plutôt au village, est-ce que ça peut le chasser? Guérir plutôt, est-ce que cet esprit-là peut chasser accident qui guérit plutôt à lui? La Bible dit d'ordonner que la lumière soit et la lumière. Il faut ordonner, il faut parler. C'est pas de bruit. Je ne sais pas du tout quitter ici, allez embêter vos voisins. Non, non. Avant que j'étais avec l'église de Dico, je m'appelais, on dit non, tu, le voisin de l'hôtel a dit tu m'appelles. Moi, je chante les parler doucement. Non, je ne veux pas dire crie, que ton mari souffre. Non, c'est question de délivrer ceux qui pensent que dans un premier temps, maintenant, j'ai un souci, tu peux même te mettre au salon, mais avec beaucoup de sagesse. Il y a quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Il y a des gens, quand ils prient, quand tu te plains, ils pensent que tu es possédé. Mais mon mari est possédé. Quand il prie, ça le dérange. Mais avec, c'est, tu fais du bruit. Ce n'est plus la prière, c'est du bruit que tu entends de faire. Amen. Ordonner. Silencieusement. Avec beaucoup de sagesse. On m'a bien saisi. Pour ordonner. Déprogrammer la mort. Déprogrammer la pauvreté. Parce qu'au cours d'une journée, on peut te tabou.
esprit. Il y a des gens qui sont sortis, ils ne sont plus jamais revenus. Il y a des gens qui sont sortis, on les a conduits à l'hôpital. Il y a des gens qui sont sortis, ils n'ont plus jamais eu leur travail. Il y a des gens qui sont sortis, qui ont eu tous leurs problèmes. Donc, on dit qu'une journée, Dieu t'a fait voir une journée, le Dieu n'est pas content de ta bénédiction, dis amen. Il n'est pas heureux. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? C'est pour ça que les sommets, la plupart des sommets les plus agités, ça partit de 1h du matin. Regardez bien vos montres. 1h, 2h du matin. Et malheureusement, c'est à cette heure les plus grands bandits commencent à voler. Les grands braqueurs, les voleurs de nuit, ça partit de 1h du matin, ils attaquent. Parce que c'est à cette heure, ton âme a besoin de pour le rendre dans une dimension. Et c'est là que la source. Et quand vous revenez à cette heure, quand vous voyez la mort, cherchez à faire la prière. Cherchez à faire le nom de Dieu de prier pour vous. Quand vous faites un rêve à cette heure, vous réveillez. Quand vous réveillez en sursaut, sachant que vous avez fait un cauchemar, c'est un message. Hein? C'est un message. Vois quelqu'un pour t'aider dans la prière. Ou toi, chrétien, il faut déprogrammer ça. Pour nous qui le savons, les gens déprogramment. Si tu vois ça, tu déprogrammes. Tu déprogrammes. Parce qu'il y a toujours des messages qui le Seigneur t'apporte sans que tu le saches. Ça va? Est-ce que tu as saisi? Souvent, il y a des choses qui nous arrivent. C'est tout le temps, nous allons compter. Ah oui, mais j'avais déjà vu ça. La négligence. Malheureusement, la spiritualité a horreur de la négligence. Quand quelqu'un est trop négligent, il délire. C'est un danger. Ça va? Vous m'avez saisi? Amen. Amen. Ça va? Amen. Donc à cette heure-là, vous déprogrammez la mort, vous déprogrammez l'accident, vous déprogrammez tout ce que vous pouvez déprogrammer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Déprogrammez. Et puis qu'est-ce que vous faites après la déprogrammation? C'est comme si on donne une main qui programme ce que tu veux. Je prophétise que cette journée soit pour moi une journée de bénédiction, une journée de bonheur, une journée de protection de Dieu. C'est tout. Et que je rencontre des personnes qui vont me faire rentrer dans la bénédiction. Et oui, prier aussi pour les rencontres. Parce qu'il y a des rencontres qui sont sataniques. Il y a des rencontres qu'on appelle les rencontres prophétiques. C'est l'homme qui fait l'enfant. Et c'est l'homme qui dit tout l'homme. Amen. Dieu veut te bénir, il va passer par quelqu'un. C'est ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Il va passer par quelqu'un pour te bénir. Alors il faut demander au Seigneur de te faire rencontrer l'homme qu'il faut pour te faire rentrer dans ta grâce. Ça va? Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Souvent, depuis pas son rencontre, les gens, c'est ça, vous voyez. Ça va? Mais pourquoi, comment il a fait pour rencontrer lui? Oui, parce qu'il n'a pas su prier. Et Dieu te fait vivre pour les esprits pour comprendre que, frère, fais attention. Tout le monde fait confiance. Il faut être prudent. Il faut d'abord se protéger. Ce qui est prudence, barricader. Parce que détruire là, c'est la chose la plus facile. Mais construire, c'est difficile. Or, ils vont pouvoir détruire ce qu'eux n'ont pas construit. Donc, il faut demander au Seigneur au cours de la journée qu'il rencontre les bonnes personnes pour les faire rentrer dans la gloire. Dis amen. Les bonnes personnes. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Semer au cours de la journée. C'est que tu as semé que tu récoltes. Oui. Je ne sais pas pourquoi ma journée est mauvaise, mais est-ce que tu as préparé la journée? Ton voyage se prépare pour affronter le voyage. Amen. Amen. La journée aussi. Mais la journée, c'est combien? Qu'est-ce que pour que tu vas pas sortir et puis bien rentrer? Qu'est-ce que tu dis ça? Amen, c'est dit. Qu'est-ce qui te fait croire que si tu sors au bout de la journée, tu vas bien rentrer? Sans problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Rien ne te dit ça. C'est parce que Dieu nous fait la grâce. Or, le collègue qui est là, il a scanné ce que tu dis là. Il va prospérer. Il a vu. Chacun.
sait où il s'en va. Et lui, il voyage. Et lui, il va chercher. Quand il cherche, on dit ton voisin qui est là. On dit ton voisin. Ou bien ton collègue de service. Ou bien ta collègue de service. L'étoile qui est là. Elle est là. C'est les gens, parce que les gens, frères, quand ils sont là, tu ne peux plus. C'est eux que Dieu voit. Dis amen. Amen. C'est eux. Tout ce que tu vas faire, c'est détruire son étoile. Et ça partit de ton étoile. C'est ce qu'on appelle l'aura. C'est l'étoile qui brille. Quand ça ne brille plus, tu vas le noir. Donc dis là, ce n'est même pas pour moi. On ne voit même pas. L'emploi est dit. D'autres personnes dans des lèvres, ça s'allume, puis on est en train de lever le bois de lui. Ça s'allume pas, ça s'éteint pas, ça s'allume des lestages spirituels. Allumer, s'allume. Au moins, on dit, bonjour, ça va, madame, ça va. Me plaisir, je veux vous savoir comment vous financer, tu es content. Ouais, des lestages. Tu es dans le noir. Allô, on a bonjour, le monsieur l'a fui, le duc de Ribon, il est parti. Quand tu te fais grâce, il y a la lumière un peu qui t'appelle. Où Jésus, tu t'es allé où? Non, j'étais occupé. Sinon, c'est délestage. C'est ton délestage. Vous voyez les hommes? Comment t'appelles là? Il ne sait pas. Oh, le délestage, la collègue, elle a pu s'aller manger comme crêpe. Ah, elle a cassé la peau. Heureusement, tu as prié peut-être deux jours, l'ampoule est revenue un peu. La lumière est venue. Et puis tu as arrêté de prier pour nous, tu es dans des lestages. Vous m'excusez les Guinéens. Excusez, c'est quand je suis arrivé à Guinée, les conditions avec des lestages. Hein? Vous êtes là, le coup, tout est coupé. Et on dit non, c'est comme on dit, c'est pour moi qui est coupé. Excusez-moi. Pour développer le pays. Il te lâche. Et puis, boum, on dit c'est délestage. Ah, délestage. C'est quoi délestage? Là, le je suis là, demandé. Ah, tu n'as jamais connu ça. Oh, il y a des gens là. Leur ampoule, là, leur étoile, là, c'est délestage. C'est comme l'ampoule de bois de nuit. Ça s'allume. Ça s'éteint. Ça fait. Oh, il y a deux messages de lumière. Pas. Ça y est, de temps en temps, quand tu vas te dire, ça va marcher, tu peux nous délestage. Tu vois, tu dis, ah, j'ai touché maintenant ma maison, tu me délestages. Il vous aide, amen. Amen. Et personne n'est né comme ça. Comme accident sur cette terre. Personne n'est accident biologique. Personne n'est par accident. Nous avons tous une étoile et quelque part, il y a eu un ennemi qui est venu détruire ça. Sauf que la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme qui domine sur tout. Il y a quelqu'un, Dieu lui est dominé sur toutes choses, toutes choses. Une maison qu'on fait trop d'histoire, c'est une maison que le diable a beaucoup accès. C'est pour ça qu'à un moment d'aller dormir, videz votre cœur. Dis au Seigneur, non. Le Seigneur nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi toi? Il y a une raison. Parce que quand tu vas dormir avec la colère, ton âme est affectée. C'est ton côté sentimental, c'est ton âme qui a fait. Donc, alors ton cœur n'est pas ouvert. Alors donc, ton âme, elle est ramenée un peu à l'âme. Dès dit, viens, tu vas dans le sac. Voici le bon son du blé. Et elle partage. Au moins, ça vous a dit. Tu te réveilles, tu as mal partout. On t'a déjà mangé. Tu bâches. Voici quelqu'un qu'on a mangé, sauce, comme elle partage. Tu es mort. Vous avez fait attention. On ne joue pas avec la vie. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Le diable, sachant ça, il va commencer à vous provoquer. Et ne sombrez pas aussi dans le pied du diable. Il y a des gens, quand tu les provoques, tu les pousses sur les chemins. Tu vas là. Ah oui, hein. Et ils vont répondre. Oh, il y a des choses, on ne répond pas. Dieu, quand tu parles, pourquoi on ne répond pas? Moi, fille, non, parce que c'était des guéris en moi.
ça dans nos sangs. Vos enfants, car voici des jours viendront où
l'on dira heureuse les stériles, les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Que Dieu bénisse. Amen. Une très belle lecture. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une très belle lecture. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Alors, le récit est dans le livre de Luc. Luc, un médecin, un écrivain, d'ailleurs, qu'on appelle Théophile, aussi a écrit le livre de Actes des Apôtres. Alors, le livre de Luc, généralement, nous révèle les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus nous révèlent les œuvres de Jésus. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce passage, le verset 26, pasteur, je réponds le verset. Écoutez très bien le verset 26. C'est ce verset-là qui va beaucoup nous intéresser. Amen. Le verset 26. Il est révélateur, il est plein d'essence, il est très puissant ce verset. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Il revenait des champs. Et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Très bien. Alors, il s'agissait là des derniers jours de Jésus. Dis amen. Amen. Des derniers jours de Jésus. Vous savez, Jésus-Christ, celui-là qui a même prophétisé. D'abord, avant sa naissance, les prophètes ont prophétisé sur sa mort. Esaïe, beaucoup de prophètes vont prophétiser comment il allait mourir et tout ça. Et lui-même, quand il ouvrait là, n'est-ce pas, le livre des prophètes, il révélait aussi sur les passages, il parlait de sa mort. Alors quand Jésus savait comment il allait mourir, dis amen. Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus qui est venu pour un but bien précis, mourir pour nous, pour le pardon de nos péchés. Jésus était juste, d'abord il est juste, hein. Il n'a rien à voir avec tout ça, mais il est mort pour le prix de nos péchés. Mais réalise d'abord. Quels sont ceux qui d'abord pourront. Qu'est-ce qui va se passer? Après le jardin de Gethsémané, il fut arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu par l'un de ses amis, ses disciples qu'on appelle Judas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a accusé. On a commencé d'abord à l'accuser. Et la chose va se passer. On va se retrouver chez Ponce Pilate, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer chez Ponce Pilate? Pour ceux qui connaissent, c'est important de vous rappeler un peu, réfléchir ici. On a jamais la vie de Jésus, on a jamais la vie de Hein? Non, avant qu'il s'est lavé les mains. C'est vrai qu'il a lavé les mains, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il s'est lavé les mains dessus, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Ils l'ont fouetté. Dans la cour de Pilate. C'était le gouverneur romain. Parce que selon eux, c'était le gouverneur, c'était le romain là. C'est un des Romains là qui décidait, c'était eux qui étaient les patrons, qui régnaient, c'est eux qui décidaient. Donc, selon la loi, c'est-à-dire religieuse, il fallait l'approbation des autorités. Vous comprenez? Il fallait que les autorités donnent leur aval, acceptent que Jésus soit tué. Alors, Paul Pilate qui dort, il fait un songe, ils font des songes, ils disent, le monsieur là, parce que Dieu a dit, dans le sang, Dieu a commencé à parler, parce qu'il y a des gens qui ne nous touchent pas. Donc, du coup, c'est dit, c'est lavé les mains. Mais là, c'est quoi qui s'est passé? Depuis même la cour de Ponce Pilate, ils vont fouetter Jésus 40 coups de berge. Vous savez, dans la loi de Moïse, merci, dans la loi de Moïse, on ne peut pas fouetter une personne 40 coups, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette berge, là, hein, et puis il y a des agressions, il y a souvent des agressions autour de ça. Donc, quand on te fouette comme ça, ça t'entoure et puis ça met ta chair. Donc, avant que Jésus même ne monte au mont Golgotha, il était déjà vidé de son sang. Vous comprenez? 40 coups. Normalement, 40 coups, tu es mort. Mais Jésus a supporté ça. Hein? Il était plein de plaies. Non seulement ça, on lui fait porter la croix.
Hein? Et puis à un moment donné, ça n'allait pas. Alors, donc on rencontre une personne, Simon de Cyrène, n'est-ce pas? Maman, c'est un Éthiopien. Voilà, c'est un Africain. Et dans cette personne-là, on lui cherche la croix. Comment vous trouvez ça? Amen. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a souvent il y a des injustices qui se passent dans nos vies que nous ne comprenons pas. Ton problème aujourd'hui, c'est une injustice. C'est-à-dire, on te charge une croix qui n'est pas destinée. Or, la croix, c'est un symbole de souffrance. Pourquoi tu souffres? On te fiche une souffrance qui n'est même pas destinée. Le monsieur, il avait, on lui dit non, porte la croix. Pourquoi les gens te font une croix? Il ne t'appartient pas. Pourquoi les gens décident de te détruire? Pourtant, tu n'as même pas prié à ça. Pourquoi les gens décident de bloquer ta fécondité? Pourquoi les gens décident, n'est-ce pas, de bloquer ton argent, de te faire subir une souffrance? C'est ce qui a dit Simon de Cyrène. Il était de passage. Ils ne sont rien. Mais regarde ce qu'il vit aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens qui veulent porter une croix? Que Dieu nous aide. Amen. 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 Non, mais ils sortaient de la brousse. Ils sortaient de la champ. Il allait à la maison. C'est comme toi aujourd'hui. Et du coup, ta vie chamboule. Ta vie prend notre coup. Tu n'arrives plus à comprendre. Tu n'arrives plus à te retrouver. On t'impose. Tu te poses des questions, tu n'as même plus de réponse à ça.
Et à un moment donné, le dégoût de la vie t'anime. Ceux qui n'ont pas le cœur vont même se suicider. Or, c'est dangereux, parce que la mort n'est pas une solution. Il y a quelqu'un, la mort n'est pas une solution. Or, n'a jamais été une solution. À un certain âge, il faut te marier, il faut que tu sois cassé. Parce qu'à un moment, les rides vont sortir. Mais c'est la vie. Il y a une génération qui s'élève comme ça. Elle est choc pour ses vies. Amen. Tu vas rester tout le temps dans les thématiques sans l'autre. Personne ne veut même te regarder. Toi, même quand tu marches, même tu veux qu'on te regarde. Personne, même mouche même, il a peur même de te toucher. Ah, tu connais ma religion. Allez, ma religion, même mouche même, il a peur de son avis. Vous connaissez les gens passés. Même Mouchmel a peur de Bosco. Lui-même sait que là où il est en train de descendre, là, c'est malédiction. Et toi, on a dit, mais pourquoi? C'est pour vous dire que la bénédiction, c'est comme c'est comme des affaires. Pourquoi est-ce qu'on se lève maintenant pour se marier? D'abord, c'est spirituel. Le linge. Les femmes, c'est ça le danger. Nous, les hommes, peut comprendre. Mais les femmes, c'est un âge bien. C'est là que tu vas rendre témoignage. Parce qu'à un certain âge, tu comprends que. Je suis en train de rater ça. Amen, amen. Amen. Et Dieu nous aide. Amen. Et à un certain âge, tu dois faire enfant. C'est comme ça chez les femmes. J'ai demandé la même pause. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça comme ça, mais c'est comme ça. Lui seul, il connaît. Et lâche. Or, souvent la vie de certaines personnes ne dépend pas. La situation dans laquelle se trouve, le manque d'avoir un mari ou bien d'enfants ne dépend pas d'eux. C'est une injustice qui leur est imposée, la croix, injustement. C'est la croix. Souvent, il y a des gens qui passent dans la rue. Ils sont des. Elles passent sur son. Vous êtes en train de travailler, elles passent sur son. Elles parlent du temps, elles pleurent. Les choses quand tu mets, c'est comment? Le monsieur qui l'a eu, il était content, tu dis, oh cette fois-ci, oh, oh Seigneur, merci. Quand tu ne pries pas aussi, quand tu ne pries pas aussi, l'attention au village, elle te rend visite la nuit. C'est deux coups de blé. Bisous la nuit. Tu appelles le monsieur. Allô Jérôme, c'est chez le fondeur. Rappelez-moi une tourieur. Mon portable est fermé, je vais vous rappeler. Là, c'est ça, c'est ça. Il dit, Jérôme est fatigué. Ouais. Je connais son heure, c'est 11h. Parce que la fin de 11h, là, après à midi, on ne joue pas ça. Il n'est pas en jeu, il va manger. 11h, dit non, le portable a dit non, il est fatigué, il fait la grâce matinée. À 14h, tu commences à t'inquiéter. À 16h, non, Jérôme. Maintenant, je suis quand même ce portable qui dit, c'est il a fui. Il a fui. Là, tu comprends maintenant. C'est un problème. Jérôme a fui. Il dit même pas que ton portable va appeler uniquement. On dit, Jérôme, il a. Là, tu fais ça, tu as bien compris. Tu dis, non, bien, il a raison. Tu cherches raison. Comme bien, c'est pas une raison, il a fui. Peut-être qu'il a changé de téléphone, puis non, il a fui. Et comme on le dit à Facebook, il cherche à monter sur Facebook, il a tout à bloquer. Il est bloqué sur Facebook. Toi, tu es là, tu te dis, hein? Tu vois, clan, 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 c'est comme ça. Et c'est répétitif dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a quelque part une malédiction. De ressaisir, c'est pas une question de ressaisir, c'est une question, il faut que Dieu te délivre. Amen. Il faut que Dieu te délivre ces situations. Pourquoi toujours c'est toi qui trouves emploi et on te laisse. Toujours toi tu trouves et comment on te laisse. Toujours on doit te laisser. Toujours pas de promotion. Mais tout ça c'est une explication. C'est une souffrance qui t'entend quand tu tortures l'esprit. Là, que tu nous tortures en train de pleurer. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Pouf, les choses sont arrivées, ça arrivait comme ça. Si on décide,
Alléluia. Amen. 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 Pouf. Il prend la croix. Souffre avec. Heureusement. Dis à quelqu'un heureusement. Dis à quelqu'un heureusement. Jésus était devant. Jésus était là. Frère, c'est vrai qu'il y a la souffrance. C'est vrai qu'il y a la souffrance. C'est vrai qu'on t'a imposé cette croix. C'est vrai qu'on t'a dit de porter la croix. Mais Jésus est là. Dis amen. Amen. Il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. À un moment donné, il a fait que Jésus me prend la croix. Frère, si tu veux que Dieu te dise de cette situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas question de larmes. Non. Ce n'est pas question de dire je suis ancien dans une église. Ce n'est pas question de dire non, je suis responsable dans une église. Non, ce n'est pas question de nomination. Non, on ne parle pas là de nomination. C'est une question, bien aimé. Ta position vis-à-vis de Dieu. C'est ce que tu vas regarder. Quelle est ta position vis-à-vis de lui? Amen. Amen. Est-ce que tu le reconnais comme sauveur? Et puis Seigneur, maître de ta vie. C'est ça. Le dis encore une fois. C'est des contrats. C'est pas question de nom, j'ai des problèmes, mais tu lui viens quoi? Tout ce qui vient de toi, c'est ton cœur. Tu lui donnes quoi le tout? C'est pas forcément le temps. Ton cœur. Tu as besoin de ton cœur. Lui va te sauver et puis tu vas aller chez diable. Mais non. Lui va te nettoyer et puis tu vas aller chez Satan. Mais non. Lui donne quoi le tout? De toute façon, c'est chaud. Il faut qu'il soit le bien de ta vie. S'il voit les deux choses dans ta vie, il se sent dans l'eau. Amen. On dit amen. Amen. Ça va? La seule chose dont le diable a peur, celui qui est souffrant, cette croix, c'est la présence de Christ. C'est la présence de Christ qui est faite le diable. Toi, tu reconnais que c'est juste, mais tu fais quoi pour que ça se règle? Tu fais que Dieu, que le Dieu de justice, parce que Dieu est le Dieu de justice, rien que ça. Amen. La femme dont l'enfant était mort, les deux femmes prostituées qui vivaient dans la même maison, il a fallu qu'elle monte à Jérusalem, devant le roi qui m'appelait Salomon. Et nous savons que Jésus est de la lignée de David. Ils sont montés à Jérusalem pour plaider. La femme lui dit, ça reste entre nous deux. Ma copine va m'avoir. Est-ce qu'ils connaissaient les bouches de les gens de leurs bouches. On ne les voyait pas. Deux prostituées dans la même maison. Ils ont couché. Voilà. Et l'autre a dormi sur l'autre. L'autre dit non, Suzanne, c'est ma fille. Elle dit non, c'est pour moi. Elle a dit non, ma camarade. Ta camarade qui t'a hébergé. Toi, en retour, tu vois son enfant. Or, femme qui a mis l'enfant au monde, elle connaît son enfant. Ah! Elle est là comme ça. Et une copine. C'est pas mon enfant, ça. C'est mon enfant qui est là-bas. Vous connaissez comment une femme peut dormir si un enfant jusqu'à le tuer? C'est pas Belé qui fait ça. Belé, c'est le Koutoukou, le cœur du village. Il n'y a pas de dose. Un boisson des prostituées. Et toi, comment toi, un enfant qui pleure, qui libère tous les quartiers, toi, tu dors sur lui. Mais, ça y est, ton bel est fort. C'est vrai, mais. Elle s'est balétisée. Eh non. Quel bébé, mais le papa, s'il n'a pas cœur, il va fuir. Hommage aux femmes, amen. Mon maman, que Dieu bénisse. Nous, les papas, on est bizarres. Ah, toi, ton enfant, elle pète trop, hein. Avant, il pleure trop. Or, c'est l'enfant qui a pleuré. L'enfant, il pleure. Et puis, il y a deux mêmes. Bizarrement, les deux sont pas réunis. L'autre a tué. Elle s'est réveillée dans la nuit. Il s'est réveillé dans l'autre. Elle s'est prête. Voici son enfant est mort. Elle va changer. Comment tous sont venus changer l'enfant pendant qu'il est obligé? Si c'est pas Belé qui fait ça. L'enfant est mort, tu n'es pas réveillé.
Pour toi, même, on prend, on chante, tu as encore dormi. C'est elle se réveille, regarde. Elle dit non. Frère, il y a des situations que jamais accepté. Dis amen. C'est ça qu'il faut que vous réveillez très tôt. Lèvez-vous très tôt. Quand les choses commencent, lèvez-vous. La dame dit non, je laisse pas cette situation. Ça ne va pas s'arrêter pour nous dire. Non, non, non. Je vais monter. Vous savez que la Jérusalem, c'est la cité des rois. Dis amen. La seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est Salomon. La seule personne qui peut résoudre ça, c'est le fils de David, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Le problème, Jésus seul peut le résoudre. Amen. C'est-à-dire, mon enfant est mort. Comment qui pour toi? Dis à quelqu'un sorcier. Sorcier. Vous allez dire, une vraie maman, elle ne peut pas s'aider. Amen. 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 Une vraie maman ne peut pas s'aider. Une vraie mamie, il va toujours être avec toi dans le malheur. Quand tu es agressé, quand tu es attaqué, lui, il ressent la même chose. Quand vous vivez des moments douloureux, et que soi-disant un ami ne ressent pas ça, il faut le suivre. Amen. Vous vivez ça? Le roi dit, tombez le bébé là-bas. Voici sa graine. Je prédis que Dieu te rendra justice. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que l'éternel te rendra justice. Amen.
avons accepté la situation. Bien aimé, Christ est mort pour toi à la croix. Dis amen. Il a vaincu le problème à la croix. Et la Bible déclare que Jésus dit tout est accompli. Amen. Il n'y a pas de quelqu'un qui dit tout est accompli. Dis amen. C'est quelle histoire de Amour et moi, Aïssa? Elle est morte, Aïssa? Ah, toi-même, c'est comme ça, elle est au village. C'est même vie là. Moi-même, c'est comme ça. Non. Celui qui est Jésus devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues. Ah oui, une nouvelle chose dans ta vie. C'est ton témoignage. Amen. C'est pas le témoignage de maman qui envoie dans ta vie. C'est pas vrai. Il y a des choses la terre que tu dois posséder. Amen. Il y a quelqu'un qui doit posséder ton mariage. Et lui remettre à demain, c'est bien sûr que ça va venir, c'est quand? Oh, à moi, puis ça l'a jeté, ça va dans la vie. Au fond, il n'a pas dit à l'ajouter. Tu vas récupérer ça dans moi. C'est pas un miracle de Dieu. Toi-même, tu es convaincu que tu es belle. Toi-même, tu es convaincu qu'il est. Tout normal. Souvent, les gens disent, c'est. Tout ce qui vient, il parle. Non, hein? On ne parle pas tout ce qui vient. Hein? Tout ce qui vient, il y a un problème dedans. Amen. Moi-même, il y a rien, je viens, je te bats, non. Et pourquoi? Non. Fais des ténèbres et des délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Amen. Quand tu rentres à Franprix ou bien quoi, dans la boutique, c'est tout ce que tu veux, c'est ce que ton cœur veut. C'est ça. Et tu vas choisir. Amen. Chacun sa branche. Toi, tu fais 42, tu dis, je sais, 47, moins 50. Tu es malade, tu es. Et à moi, tu marches. Et à moi, tu marches. Mais il y a même quand il marche en deux, tu te demandes, est-ce que lui-même, il va être clair, est-ce que c'est pour qui ça a été, qui l'a. Est-ce que ça commence à pour que Dieu nous aide. Amen. Oui. Ben, il y a, ici, maintenant, ça a fait de l'argent. C'est pas un vrai, vrai pour Dieu. Ça va pas dire. Madame Buzo, il te bénisse. Amen. Toi, tu dis, aïe. Ouais, ouais, le Seigneur est vivant. Hein. Mais ça, c'est pas un miracle de Dieu. Amen. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Je n'ose pas dire des choses, je ne peux pas me limiter là pour les corps. Amen. Elle est venue qui est reçue de moi et dit, Seigneur, moi-même, je sais que ça va. C'est pas un miracle. Alléluia. Elle n'est pas garçon. Il est dans le fauteuil. On prend, on met dans sa bouche. On met dans sa bouche. Il est marié. Avec. Quand on est chez japonais, ils sont dit, le gars a beaucoup d'argent, il est dans le fauteuil. Et tu comprends, tu dis, ah, elle a marié l'argent. Je veux que tu sois révolté contre l'esprit qui t'empêche de produire. Je veux que tu sois révolté contre l'esprit qui attaque la destinée. Hey!
C'est un temps. Thank you.
Et là, si tu vas parler, tu vas parler. Si tu vas parler, et la libérer. Parce que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est apparu pour libérer les captifs. Tu vas la libérer. Oui, tu vas la libérer. Oui, tu vas la libérer. Si tu vas la libérer, tu vas la libérer. C'est maintenant. Maintenant. Si. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Oui, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas la libérer, c'est un homme. Tu vas la libérer, c'est un homme. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Ah oui, mais qui es-tu? Qui es-tu? Pas et libère. Comment tu t'appelles? Qui es-tu? C'est ta femme. C'est ça? Tu dis que tu es. Elle est ta femme, c'est ça? Elle est ta femme. Mais je veux savoir qui es-tu. Ton nom, je veux savoir. Je veux savoir ton identité. Ta vraie identité, c'est quoi? Donne-moi ton identité. Qui es-tu? Ton identité. Qui es-tu? Hey! Tu es rentré comment dans celle? Comment tu es rentré dans celle? Tu es rentré comment dans celle? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Elle t'appartient. Elle t'appartient. Mais non, elle ne peut pas t'appartenir. Elle appartient à Dieu. L'enfant est dans le ventre. Non, mais ce n'est pas un enfant. Qu'est-ce que dans ce c'est monde? C'est ton enfant. Et toi qui as bloqué son mariage, qui es-tu? Donne-moi ton nom. Tu dis que tu es responsable. Ton épouse, c'est ça? Elle est ton épouse, c'est ça? Fatiguée. Non, c'est pas une question. Le feu sur toi. Allez, lâche-la. Lâche. Allez, libère. Libère son nom. 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 Allez. Fais sur toi. Allez, libère. 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 Libère le nom. Allez, libère. La puissance de Dieu. Libère. Libère son nom. Libère. Tu vas libérer son nom. Tu vas libérer son nom. Oui, oui, tu vas libérer son nom. Au nom de Jésus-Christ. J'ai la puissance de Jésus-Christ. J'ai le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Libère-la. Thank you.
Thank you.